Voilà, hello, c'est Alias sur un tuto sur l'éditeur de mission sur les triggers radio redondants. Je vais vous expliquer ce que c'est un trigger radio redondant, enfin pour moi. Comme vous savez, en principe, dans une mission qu'on réalise, on donne des actions à des unités qui vont exécuter des marqueurs, etc. Certaines de ces actions sont importantes pour le bien de la mission. Ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, la mission est foirée. Combien de fois j'ai entendu en vol du style des gens qui me disent ah zut, j'ai pas mes unités qui sont parties en fait. J'ai un problème, ça va pas jouer, quoi. Etc. Donc il y a beaucoup de problèmes parce que l'IA est des fois imprévisible, elle fait des choses pas très cohérentes, ou bien il peut y avoir des imprévus en vol. Des imprévus en vol, par exemple, en vol ou en mission. Par exemple, là, mon but de cette mission, c'est que j'ai fait un trigger, je vais faire un trigger que cette unité-là va tout simplement aller dans la zone de départ ici. Une fois que cette unité, donc l'M113, sera dans la zone, ça va faire partie les F-15 qui ont un rôle vital pour la mission. Donc, pour ça, rien de plus simple. Unité, donc je vais faire un trigger une fois. D'accord? Ici, je vais faire tout simplement. Unité dans zone, unité dans zone, donc l'unité c'est l'M113, dans zone départ, qui est le zone départ, simple départ des F-15. Et ici, je vais tout simplement donner l'ordre aux F-15 de partir, comme je vous ai expliqué avant dans le tuto précédent sur les possibilités de faire activer ou désactiver les unités. Donc là, je vais tout simplement prendre exécuter avec priorité pour être sûr, démarrer F-15. Voilà. Ça veut dire que dès que mon M113 arrive dans la zone, mon F-15, mes F-15 vont partir. Donc là, je ne vais pas vous le montrer parce que je sais que ça va fonctionner. Hein. Une fois que mon F-113 sera dedans, ça va partir. Mais imaginez que tout d'un coup, il y a un pont ici, bah, une voie de chemin de fer à côté. Tout d'un coup, mon M-113 reste bloqué, tout bêtement, parce que je ne sais pas pourquoi. Bah, mes F-15 ne vont jamais partir. Donc ça va être embêtant pour la mission. Ou même, soudain, tout d'un coup, j'ai une unité ennemie qui arrive et qui détruit mon M-113. À ma condition, justement, pour que mes avions ne vont pas partir. Donc ça va m'embêter dans ma mission parce que je ne l'ai pas prévu. Donc moi, c'est pour ça que je fais des debugs, en fait. Des debugs ou bien justement des triggers redondants que j'appelle départ critique. Alors pour ce faire, je fais un début de mission. Début de mission. Si je n'ai pas besoin de mettre de règles. Et là, je fais un début de radio. Ces menus radio, je vais aller tout simplement les... Je vais juste poser, excusez-moi, un F-15. F-15, ouais. F15 ici, tac. Départ du parking chaud. Et ce sera moi, joueur, ou bien client, c'est égal. Hein. Je vais appeler moi, voilà. Voilà, ce sera moi, tout simplement. Voilà. Dans ce cas, en début de mission, je vais, comme je vous ai expliqué, je fais des messages de debug. Donc, activer message radio. Ce message radio, je vais le rendre visible que pour moi, pas pour les autres. Donc, c'est pour ça que ajouter un menu radio, je ne vais pas mettre ajouter menu radio, je vais mettre ajouter menu radio au groupe. Ajouter menu radio au groupe. Et le groupe, c'est moi, F15A. D'accord? Ce qui est important pour ceci, c'est que si je l'assigne à tous les autres groupes, ben, les autres collègues en vol peuvent faire activer mes triggers justement de débogage en fait. Voilà. Le nom du trigger, je veux tout simplement l'appeler critique. Critique 1, critique 2, etc. Donc le critique 1 aura pour action, on va dire, d'exécuter le marqueur 1. Le marqueur 1, on a vu qu'ici, unité, il faut que l'unité dans la zone soit dans la zone pour que mon avion décolle, ou je vais tout simplement lui rajouter une condition marqueur vrai 1. Ça veut dire que si tout d'un coup mon unité est détruite, j'ai toujours la possibilité de faire popper ce marqueur 1. Ce marqueur 1 sera popé avec mon menu de communication critique. Alors, ici, on va juste faire deux tests. En fait, un test avec le véhicule qui va se faire exploser et un test avec le véhicule qui va arriver à destination. Donc, le véhicule qui arrive à destination, on va voir ça tout de suite. Voilà, en vol. Alors, je vais prendre mon véhicule. Donc le 7 qui va arriver dans la zone.
J'ai mes deux F-15 qui sont sur la zone prêts à partir mais qui ne partent pas. Non, c'est bien ça, pardon. Voilà, les deux autres F-15 qui sont en attente. Si tant que j'ai mon M113 qui va arriver dans la zone, ils vont partir. Donc on verra. Il démarre pas, on va accélérer le temps. Alors où est-ce qu'ils sont? Ouais, bon problème, mon M113, il va faire un petit moment pour arriver dans la zone. Je vais le faire accélérer. La zone commence depuis là, je crois. J'aurais pu faire peut-être plus court en fait. Voilà, j'ai une activation de mes unités ennemies. Mais je vais pas refaire à l'autre explication, c'est que si tout d'un coup mon M113 aurait été bloqué ici ou a été détruit, j'aurais eu la possibilité d'activer mon trigger directement avec mon menu radio, que vous voyez ici en haut à droite, menu F10, critique. J'aurais fait F1, et là mes F15 seraient partis. Alors voilà. Donc on sait que dans une mission qu'on fait qui est assez élaborée, il peut y avoir en tout cas 3 ou 4 points extrêmement critiques pour la mission, donc des triggers qu'on attend avec impatience ou qui sont vraiment vitaux pour la mission. Et si ces marqueurs ne sont pas activés à cause de bugs de l'IA, parce que des fois l'IA fait, comme je vous ai expliqué, des choses vraiment stupides, se coincer sous les ponts, etc., ou un imprévu, elle se fait détruire par inadvertance par un allié ou par une unité ennemie qui ne devait pas être par là, ben, vous avez une mission qui est en jeu. Donc faites ces petits debugs qui vous permettent au créateur de la mission qui est en ligne, qui est client aussi, de pouvoir justement débugger, excusez-moi, tous ces petits problèmes. Voilà, c'était juste une astuce pour éviter d'avoir des soucis dans vos missions, que je sais que ça prend du temps pour les créer, donc faites ces petites solutions pour éviter les ennuis. Merci pour avoir suivi ce petit tuto, je vous dis à une prochaine, bye bye.